Salut, Jérôme pour WRFPV. On se retrouve sur la chaîne aujourd'hui pour parler tuning et plus précisément du tuning avec la version 4.3 de Betaflight. C'est parti! Alors, il y a quelques semaines sortait enfin la version 4.3 de Betaflight en release. On vous l'a présenté sur le blog et sur la chaîne. Et dans les commentaires, vous avez été nombreux à nous demander une vidéo sur le tuning avec cette nouvelle version. Je dis bien vidéo hein, parce que sur le forum, on a un guide de tuning qui existe depuis plus d'un an. Il est très complet. N'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil en complément de tout ce qu'on va se dire aujourd'hui. On vous mettra le lien en bas dans la description. Bon, initialement, j'avais prévu deux autres parties dans cette vidéo. Une première un peu plus théorique, dédiée à expliquer le fonctionnement d'un contrôleur de vol, des PID et des filtres. Et une dernière partie plus orientée black box pour montrer comment la black box peut nous aider assez simplement à affiner notre tune, simplement le vérifier ou même nous accompagner pendant toute la démarche de tuning. Bon, il se trouve que la partie tuning aujourd'hui, elle est déjà très très longue, donc tout ça, on va se le réserver pour une prochaine fois si ça vous intéresse. En attendant, on va faire un passage rapide à l'atelier pour s'occuper de la préconfiguration du drone et ensuite on revient sur le terrain pour attaquer le tuning. Alors même si c'est pas le sujet de la vidéo, on va quand même être obligé de parler rapidement des ESC. Il est fortement recommandé d'avoir des ESC qui supportent le D-Shot bidirectionnel pour pouvoir profiter du RPM filter et du Dynamic Idle. Les ESC sous BLI32 le gèrent nativement depuis la version 32.7. Pour les ESC sous BLLIS, il faudra les flasher avec le firmware BlueJay ou autre. Alors malgré tout, hein, Betaflight 4.3 peut quand même bien voler hein, sans D-Shot bidirectionnel, mais ça reste une recommandation. En BLI32, on évitera la version 32.8. Si la version 32.7 existe pour vos ESC, c'est celle que j'aurais tendance à recommander. Sinon, on se rabattra sur la 32.9. Pour le PWM Frequency, on essaiera de privilégier une fréquence fixe. Mais si vous êtes sûr de votre coup et que vos ESC fonctionnent bien avec une fréquence variable, alors allez-y, il n'y a pas de souci. Enfin, pour le motor timing, on conseillera une valeur autour de 23. On attaque la partie Betaflight. En principe, si vous êtes là, vous savez déjà configurer Betaflight, donc on va essayer de faire rapide. Alors, on va reflasher l'AFC pour être sûr de partir d'une config stock. Quand on est à l'atelier, on retire les hélices, évidemment. On connecte l'AFC. On va dans mise à jour, on détecte la carte. On prend la dernière version en release du firmware, donc là, la 4.3.1. On charge le firmware en ligne. Flash, c'est parti. Voilà, c'est flashé. Je l'ai pas dit, mais évidemment, avant de flasher, on fait une sauvegarde hein, si nécessaire, soit avec les presets, soit en faisant un diff all ou un dump. Une fois le flash terminé, on se connecte. À la première connexion, il nous propose d'appliquer les réglages par défaut de cette carte. Oui, on le fait, c'est impératif. Et ensuite, on peut se connecter à l'AFC. Donc, il nous dit qu'il n'y a pas de protocole pour les moteurs, ok, et que l'accéléromètre n'est pas calibré, donc on le calibre tout de suite pour qu'il arrête de nous embêter. On passe rapidement dans les ports pour remettre la configuration d'équerre. Dans mon cas, le RX il est sur l'UR2, j'ai le DJI en UR3 et j'ai un GPS sur l'UR5. On sauvegarde, on redémarre. Maintenant, la partie configuration. Donc là, par défaut, la fréquence de la boucle PID va se caler sur la fréquence du gyroscope. Donc là, c'est un MPU 6000, donc c'est 8K la fréquence. Ici, niveau boucle PID, on reste sur 8K si on a un microcontrôleur de type F7, G4 ou H7. Si on a une F4 et qu'on compte activer le RPM filter, mieux vaut se mettre en 4K. Ou alors, on peut tenter le 8K si on est certain de rester sous les 75% de charge CPU. Donc là, moi, je reste ici comme ça. Sur le premier écran du modèle 3D, on vérifie bien l'orientation de l'AFC. Si nécessaire, on l'ajuste ici. On désactive tout ce qui nous sert à rien. Donc baromètre, magnétomètre, j'en ai pas. Le soft serial est déjà désactivé. C'est bon comme ça. Non, ici, l'armement, je le mets à 180 degrés pour pouvoir armer même quand le quad il est à l'envers. On sauvegarde, on redémarre. Petite remarque, si votre gyro est un BMI 270, ici niveau boucle PID, vous serez bloqué à 3,2 kHz. C'est normal. On passe à l'alimentation. Ici, on calibre l'échelle de batterie. Le mieux, hein, c'est de mesurer la tension de la lipo et d'ajuster l'échelle en conséquence. Dans mon cas, c'est 109.
Vous avez aussi un petit outil pour vous aider à faire l'étalonnage ici si vous voulez. On peut maintenant passer au moteur. Pour le protocole des ESC, on va choisir du 10 shot. Si la boucle est à 8K ou que le déshot bidirectionnel est désactivé, on prendra du déshot 600. Si par contre la boucle est à 4K, on prendra du déshot 300. Donc moi je suis à 8K, donc déshot 600. On active le déshot bidirectionnel. Il nous prévient que ça va modifier le filtre dynamique, on est tout à fait d'accord. On vérifie le nombre d'aimants, donc ça, mon aimant 14, c'est le standard pour des points 5 pouces. On sauvegarde et on redémarre. On va tester les moteurs. Pour tester les moteurs, il faut mettre une batterie. On dit qu'on comprend, on est prêt à tester les moteurs. Et normalement, hop, on avait 100% d'erreur, c'est passé à 0. On vérifie quand on active les moteurs, ça reste bien à 0% d'erreur. Puis on teste les moteurs un par un pour vérifier que l'ordre des moteurs est le bon. On vérifie aussi le sens de rotation de tous les moteurs en fonction de ce qu'on a configuré ici. Si jamais l'ordre ou le mapping des moteurs n'est pas bon, on dispose ici des boutons pour ajuster tout ça directement depuis Betaflight. Donc là, dans mon cas, tout est bon. On peut passer maintenant à la configuration du lien radio. On va dans l'onglet récepteur. Dans mon cas, je suis en ELRS 500 Hz. Donc je me mets sur série, on est en crossfire, j'active la télémétrie, je me mets en TAER parce que c'est l'ordre de mes voix. Je vais mettre un petit peu de deadband, juste un petit peu comme ça. On sauvegarde, on redémarre. Maintenant on a accès à tous les canaux. Donc moi je prends le 11 pour avoir le LQ sur le RSSI vu que je suis en DJI. J'enregistre et là on vérifie avec la radio que ça bouge correctement. Là c'est le roll, on est sur le pitch, le yo, et voilà, c'est bon. On peut vérifier vite fait que les inters fonctionnent, c'est tout bon. Maintenant il faut qu'on vienne ajuster le comportement du RC smoothing et du feed forward. Soit on se réfère au tuning note qui explique comment configurer tout ça en fonction du lien radio, soit on utilise les presets, c'est le plus simple. Donc moi je suis en ELRS et en 500 Hz, donc je prends le preset 500 Hz, on sélectionne les options qui vont bien. Moi je vais prendre Freestyle, Serial, je vais la valeur du pack entier. Et ici vous allez voir pourquoi je choisis Freestyle, c'est pas un hasard. Quand je clique ici sur voir en ligne, on va regarder en détail comment est fait le preset et pourquoi, et on va voir pourquoi on a choisi Freestyle. Alors on jette un rapide coup d'œil au détail du preset ELRS. Et on s'aperçoit qu'à partir du profil HD Freestyle, on se retrouve avec un RC Smoothing Autofactor à 250. Et je trouve ça mais énorme, ça rajoute de la latence, c'est très désagréable. Donc tous les profils au-dessus de Freestyle ont cette valeur, donc je recommande de ne pas les utiliser. Le profil Freestyle est à 120, ça fait déjà beaucoup, mais ça va, là c'est beaucoup moins gênant au pilotage. Donc je vous recommande d'utiliser ce profil, quitte à ensuite modifier le RC Smoothing Autofactor à la main et de lui donner une valeur entre 30 et 60 pour avoir quelque chose de réactif. Et il y a un champ dans Betaflight qui permet ensuite d'ajuster cette valeur facilement. Donc on a sélectionné nos options, on clique sur choisir, on fait enregistrer et redémarrer. Et voilà, on a fini la configuration du lien radio. On passe vite fait à la black box, si on en a besoin plus tard, on se met en 2K, on choisit Gyroscale comme debug mode pour pouvoir récupérer le signal gyro non filtré. On sauvegarde, on redémarre. Et pour terminer, moi je passe par le clip pour restaurer les trucs un peu plus chiants. Donc typiquement, je récupère mes modes, je les passe par le CLI, il ne change jamais. La configuration de l'OSD, je la récupère aussi par le CLI. Hop. Et pareil pour les rates, donc je récupère mes rates. Alors, on fera bien attention, depuis la 4.3, les rates par défaut c'est des actuels, c'est plus Betaflight. Donc si jamais vos rates sont en Betaflight, pensez bien à paramétrer le rate type en Betaflight. On tape save pour sauvegarder tout ça. Et c'en est fini pour la configuration de base. Avant d'attaquer le tuning, on va faire quelques petits derniers ajustements.
Alors ça c'est... Moi j'aime bien monter le item relax, j'aime bien le mettre à 17, je pense que je dois être la seule personne à faire ça. Donc le faites pas si vous n'en avez pas l'habitude. J'active aussi la linéarisation de la poussée parce que je suis en 48 kHz au niveau des EC, c'est plus censé être indispensable, mais je trouve quand même que ça reste un petit peu mieux. Ensuite, l'idle dynamique. Alors, dans les vols que vous allez voir juste après, je l'avais mis à 20 et ça m'a posé des petits problèmes, vous le verrez dans la suite de la vidéo. Donc là, je le mets à 20, mais en réalité, je vous conseille plutôt de le mettre à 30. Voilà. Et enfin, pour pouvoir tuner dans des bonnes conditions, on va réduire à 0 la réponse au stick et on va réduire à 0 le D-Max parce qu'on veut des valeurs de D fixes. On sauvegarde et on est prêt. On se retrouve sur le terrain pour tuner ce quad. C'est un quad 5 pouces 6S avec des moteurs 2000 kW sur une base de fusion F212. Avant de démarrer, c'est important de s'assurer que l'on dispose d'un quad sain. Alors, ce qu'on entend par quad sain, c'est un quad dont le gyro va recevoir le moins de perturbations, que ce soit des vibrations mécaniques ou du bruit électronique. Pour l'électronique, ce qui est obligatoire évidemment, c'est d'avoir un condensateur low ESR soudé sur les pads des ESC, au plus près des ESC si possible. Ensuite, en option, on peut rajouter un spike absorber pour absorber les pics de tension. C'est toujours ça de prix pour protéger l'électronique et en particulier les Vistar. Et enfin, moi, ce que j'aime bien faire, c'est rajouter, je ne sais pas si on le verra là, un shield anti-interférence entre les ESC et l'AFC. Pour la partie mécanique, donc on va commencer par vérifier que toutes les vis soient bien serrées, donc les vis du châssis, les vis des moteurs, les vis des bras. Et ensuite, on vérifiera aussi que l'AFC est correctement montée. Donc elle doit être normalement soft montée avec des gommes. Les écrous doivent être bien serrés, en tout cas suffisamment bien serrés pour que l'AFC ne bouge pas, voilà, quand on essaie de la déplacer, mais pas trop non plus, il ne faut pas complètement aplatir les gommes. Attention aussi à tous les fils qui circulent dans le build. Surtout, il faut éviter d'avoir des fils qui vont venir tapoter sur le gyro ou tapoter l'AFC, ça peut créer des vibrations. Donc, dans la mesure du possible, on peut essayer de les sécuriser avec un réseau. Autre point, l'antenne VTX et plus particulièrement son support. Alors, c'est important d'avoir un support bien rigide pour que sur des mouvements très rapides sur le pitch, on n'ait pas une antenne qui se balade et qui génère des oscillations sur l'axe du pitch. Donc là, l'idéal, c'est d'avoir un support rigide, comme c'est le cas ici. Ce support, il est ultra rigide. Donc là, l'antenne vraiment bouge très très peu. Si votre support est un peu mou, n'hésitez pas à le renforcer avec des riselants ou même à utiliser des antennes plus courtes style Stubby. Enfin, on peut parler des hélices. Alors là, ici, ça fait un peu débat. Il y en a qui préfèrent tuner avec des hélices qui sont légèrement usées. Moi, personnellement, je préfère tuner avec des hélices neuves, comme ça, au moins, s'il y a des problèmes, je sais que ça ne viendra pas des hélices. Et ensuite, lors du tune, je vais redescendre un peu mon tune pour qu'il soit un peu plus tolérant. Un mot sur la méthodologie de tuning. On va suivre la méthode qui est recommandée par les développeurs Betaflight et suggérée au travers des différents écrans de Betaflight Configurator. Il y a d'autres méthodes de tuning, ça ne veut pas dire qu'elles sont moins bonnes, évidemment. Alors sur le terrain, vous allez avoir besoin de vous connecter à votre machine pour faire les différents réglages. Ici, vous avez le choix des armes. Soit vous utilisez un ordinateur portable, soit un smartphone avec l'appli SpeedyBee ou Betaflight. Soit vous utilisez les scripts Lua avec votre radio ou ELRS. Et enfin, vous pouvez aussi utiliser l'OSD pour faire la configuration de Betaflight, surtout si vous êtes en analogique. Alors juste pour info, je viens de faire deux petits vols hors caméra avec le quad sans caméra HD, au cas où ça se passerait mal. Un premier vol à vue de 5 secondes pour m'assurer que tout était bon, sens des moteurs, sens des hélices, sens de l'AFC et ordre des moteurs. Donc ça, c'était OK. Ensuite, j'ai fait un vol un peu plus long en tirant un peu plus, pour m'assurer que les moteurs n'étaient pas déjà en surchauffe en stock et en faisant quelques flips et rolls bien secs pour voir s'il n'y avait pas de desync sur le quad déjà au départ. Alors on va commencer par un petit vol en presque full stock, en tout cas du coup avec tous les sliders à 1 pour voir déjà comment ça se comporte.
C'est quand même pas dégueu. Alors on va commencer à regarder un peu les axes. On voit ce que sur le roll. Voilà, on a un peu de rebond, on voit que ça secoue un peu. Pareil pour le flip, on voit qu'on a un rebond même qui se répète plusieurs fois et qui s'atténue progressivement. On va regarder pour les i. Ça bouge un peu, mais c'est pas trop mal. On va faire un peu de pompage de gaz. Alors là, par contre, c'est vraiment pas mal du tout, hein, ça bouge pas. Le nez, il est déjà bien loqué. Et enfin, on va jeter un petit coup d'œil au propre wash. Ouais, s'il y en a un petit peu quand même. Il y a du propre wash, mais c'est quand même pas... C'est pas horrible, franchement c'est pas dégueu, ça vole déjà quand même vraiment pas mal en stock. Allez hop, on se pose et on va attaquer le tuning. Première chose, on va commencer par régler le filtrage. Par défaut, Betaflight filtre, alors moins qu'avant, mais il filtre beaucoup quand même. Donc là, le but du jeu, ça va être de réduire progressivement le filtrage en poussant les deux sliders gyro et diterm vers la droite, donc pour filtrer moins, et à chaque vol on va vérifier que les moteurs ne sont pas en surchauffe. L'intérêt de diminuer le filtrage, c'est que moins Betaflight a besoin de travailler pour filtrer les données, plus ces traitements de filtrage vont être rapides et plus le quad sera réactif. En tout cas, on aura un feeling plus connecté et il y aura aussi une meilleure gestion du prop wash. Donc moi je vais faire ça avec les scripts Lua. On va dans Simplify Tuning pour utiliser Slider. Là, on voit bien que j'ai tout qui est à 1. Le gyro multiplier, on va donc le monter. On va y aller par cran. Je vais commencer à 1,2. On va monter les deux à 1,2. Et on va voir ce que ça donne. Alors, une fois que vous avez fait ça, surtout n'oubliez pas d'enregistrer. Et dans le doute, je reboot. Je ne sais pas si c'est indispensable ou pas, mais je préfère le faire. Et là, on se fait donc un petit vol pour voir ce que ça donne. Donc là, le but, c'est de faire un petit vol d'une vingtaine de secondes, juste pour s'assurer qu'il n'y ait pas de surchauffe au niveau des moteurs. On met quelques foules. On essaie pas de se tuer. Et on regarde la température des moteurs. Donc là, ça va. Franchement, les moteurs sont toujours tièdes. Presque chaud à l'arrière, mais rien d'alarmant vu les températures actuelles. Donc pas de souci. On peut continuer à monter les sliders. Alors j'ai monté progressivement les valeurs des deux sliders de filtre jusqu'à 1,6. On va voir ce que ça donne. En général, à partir de 1,4, je trouve que le comportement il commence à devenir plutôt sympa. Donc pas forcément besoin d'aller plus loin. Là, je l'ai fait. Je vous mettrai aussi en surimpression pour info le filtrage que j'ai réellement sur mon quad qui est encore un peu plus fort que ça. C'est-à-dire que j'ai coupé le filtre sur le Yo, et j'ai aussi coupé les deux filtres gyro LPF. Donc là, libre à vous de tester, mais en tout cas, ça déjà, c'est une bonne base, on va dire. Donc on va voir ce que ça donne. Là, on voit que même, rien que sur le prop wash déjà, on est beaucoup mieux qu'en stock, hein. On a beaucoup moins de prop wash déjà. C'est déjà nettement mieux. On va regarder la température des moteurs et si c'est bon, on va s'arrêter là. Donc, les moteurs avant sont tièdes. Les moteurs arrière sont un poil plus chauds.
Rien d'extrême. Donc tout va bien, on s'arrête là, on passe au dé. Maintenant on va pouvoir s'attaquer au dé, ou ce qu'ils appellent maintenant atténuation dans Betaflight. Les dés, c'est ce qui joue un peu un rôle d'amortisseur, un peu comme des suspensions de voiture. Ça va permettre d'amortir l'épée pour éviter d'avoir de l'overshoot, du rebond. L'intérêt des dés, c'est que ça permet aussi de réduire le propoage et ça permet de pousser l'épée le plus haut possible pour avoir un quad le plus réactif possible. L'inconvénient des dés, c'est qu'ils ont tendance à amplifier les vibrations qui ont mal été filtré. Donc comme pour le filtrage, il faut faire attention, on monte les dés progressivement, étape par étape, en s'assurant que les moteurs ne sont pas en surchauffe, et aussi en vol, essayer de bien faire attention, écouter le bruit quand on se met full gaz, ça peut commencer à faire un bruit strident, là c'est signe que les dés ils sont un peu trop. Pour les dés, donc on va reprendre un peu le même principe que pour les filtres, on va monter le gain des dés petit à petit. Je vais commencer à 1-2, on va voir ce que ça donne, on va vérifier la chauffe des moteurs et on va continuer à monter si c'est possible. Donc on va regarder la chauffe moteur et on va aussi écouter s'il n'y a pas un bruit un peu strident qui arrive sur les coups de foule. Ça va. On vient se poser. Toujours pareil, contrôle de la température des moteurs. Ça va. Ça n'a pas changé, toujours tiède à l'avant. Toujours un poil plus chaud à l'arrière. Mais ça va. Donc on va continuer à monter progressivement. Je vous reprends à la fin de la montée des dés. Alors du coup là pour les dés j'en suis à 1.6. Encore une fois je trouve que c'est une bonne valeur. On verra si on peut monter plus haut, si on s'arrête là. Déjà on va tester comme ça pour voir ce que ça donne. Alors, on voit déjà que le quad il commence un peu à gigoter, je sais pas si vous entendez. Posé sur le sol, il commence à un peu frétiller gentiment. Donc là, ça commence à dire que les dés sont pas mal, on va dire. S'il n'y a pas de problème, on s'arrêtera sans doute là. Voilà, on voit que le quad est mou. Hein. C'est à ça quand je fais des rolls ou des flips, c'est un peu sec, c'est mou, c'est normal parce qu'on n'a pas encore mis d'épée. Mais sinon c'est pas mal, on voit que là le propoche il est vraiment. Il a l'air très bien géré. On se pose, on regarde la température des moteurs. On va sans doute s'arrêter là. Pareil. C'est toujours pas plus chaud, toujours pareil. C'est toujours pareil, mais là comme on voyait que le quad, c'est peut-être un peu plus chaud à l'arrière là quand même. Et comme on voyait que le quad il commençait un peu à frétiller sur le sol, c'est signe qu'on va s'arrêter là. 1.6, c'est déjà très bien comme valeur. Donc on va pouvoir attaquer maintenant l'épée ou le suivi pour trouver le bon équilibre entre l'épée et les dés. On en a fini avec les dés. Pour l'instant, en vol, ça n'apporte pas grand-chose, si ce n'est d'avoir un quad un peu mou. Ils vont prendre de l'intérêt une fois qu'on aura monté l'épée. Donc l'épée maintenant dans Betaflight ils appellent ça le suivi ou le tracking, et en fait le suivi monte à la fois l'épée et les i. Mais pour les i on verra ça plus tard, pour l'instant on va se concentrer sur l'épée. L'épée c'est ce qui permet d'avoir un quad réactif qui s'aligne le plus vite possible sur la consigne, donc sur ce qu'on lui demande de faire. Là tout l'enjeu va être de trouver le bon compromis entre l'épée et les dés. C'est-à-dire que là, par défaut, si on garde l'épée au minimum, on a les dés qui sont déjà vachement élevés, donc on va avoir un quad qui va être très mou, c'est-à-dire que quand on va déclencher, par exemple, un roll, le quad va commencer à tourner relativement rapidement,
et par contre les dés vont l'amortir très tôt et il va finir son roll lentement. Donc là, c'est des P qui sont trop bas. Si les P sont parfaitement réglés par rapport au dés, le quad va démarrer très vite et s'arrêter parfaitement sur la consigne, ils seront amortis parfaitement par les dés. Et enfin, si jamais on règle trop de P, ce qui va se passer, c'est que le quad va tourner tellement vite qu'il va dépasser la consigne et il va redescendre ensuite. Et ça fait un effet de rebond, comme ça. Tac, tac. Donc ça, c'est ce qu'on veut éviter. Donc on veut trouver le bon compromis entre les P et les dés pour avoir un arrêt net lors des rolls et des flips secs. Dans le vol précédent, on a vu que les rolls et les flips étaient très mous et ne s'arrêtaient pas proprement. Donc là, on va monter les P progressivement jusqu'à avoir un arrêt net. Je vais commencer à 1, 2. On regarde ce que ça donne sur les flips et sur les rolls. Donc là, on a les P à 1.2. C'est un peu mieux, mais c'est quand même pas encore ça. Faut que ça. C'est encore un peu mou sur la fin du flip et la fin du roll. On se pose, on remonte. Alors, du coup, on va aller à 1.4. Save. Ah, ça commence à être pas mal du tout là. C'est bien mieux. On pourrait presque se satisfaire de ça. On va essayer de monter encore un petit peu. Hop. Donc. On va aller à 1.5. Save. Bah c'est pas mal hein. C'est pas mal, c'est pas mal. On va essayer de le mettre, de les monter à 1.6 juste pour voir ce que ça donne. Et si on voit trop de rebonds, on redescendra à 1.5. 1.6. Save. C'est pas mal en fait. Sur le roll, c'est nickel. Enfin, ça a l'air nickel. Et sur le pitch, c'est pas mal. Et bon, on va s'arrêter comme ça. 1.6 sur les deux, en fait, c'est pas mal du tout. Donc, je me pose. Maintenant qu'on a notre balance. Qui est à peu près bien réglé, je peux remettre le feed forward. Donc moi, j'aime bien le mettre à 0.8. Ici, chacun fait comme il préfère. Encore une fois, c'est une question de feeling perso. Sachant que plus on a de feed forward, plus le quad sera connecté. Mais je trouve que sur les mouvements secs, des fois, ça fait des trucs un peu bizarres. Donc je préfère m'arrêter à une valeur autour de 100, en fait, à peu près. On en a à peu près terminé avec la balance entre les P et les D. Alors j'ai dit à peu près parce que si vous constatez une différence de comportement entre le roll et le pitch, par exemple si un des deux axes peut supporter plus de P ou plus de D, n'hésitez pas à utiliser les deux sliders supplémentaires dans les sliders avancés qui vous permettront d'augmenter un peu les D ou les P
sur un des axes. Si vous voulez pas vous prendre la tête, le plus simple c'est de niveler par le bas comme on le faisait sur les anciennes versions, c'est-à-dire trouver la bonne valeur de P qui n'engendre aucun rebond sur les deux axes, tant pis si un des deux axes est un tout petit peu plus lent que l'autre. On pourrait s'arrêter là, mais on n'a pas encore parlé des I ou dérives maintenant dans Betaflight. Les I, c'est ce qui va permettre de lutter contre la dérive du quad au fil du temps et aussi de résister aux influences extérieures comme le vent par exemple. Alors, les I aussi jouent sur le feeling qu'on a avec le quad, c'est-à-dire plus vous aurez des valeurs de I hautes et plus le quad aura un feeling ancré dans sa ligne si je peux dire. Donc là, il y a une partie ici préférence perso, mais il y a aussi quand même une partie réglage, c'est-à-dire que pour s'assurer que c'est quand même bien réglé, vous pouvez envoyer un coup de foule, couper les gaz, laisser votre quad tomber sur la tronche ou sur le dos et voir s'il maintient sa consigne, sa position. Si c'est le cas, ben, c'est que c'est bien réglé, si c'est pas le cas, vous pouvez monter un petit peu les I. Sachant qu'il y a une bonne petite brise là qui souffle, donc c'est possible qu'il soit un petit peu dérangé, on va regarder. On voit qu'il se fait un peu balloter là, légèrement. On va monter un petit peu les I. On va monter à 2, on va voir ce que ça donne. 1.2 plutôt, pas 2 non, certainement pas 2. Hop, c'est reparti. Ça bouge encore un chouïa, mais là il y a du. Là ça souffle. Là il y a un peu de vent. Ah, ça reste pas mal. Moi ça me convient. Je vais m'arrêter là pour les I. Ouais, ça va. Putain, on va éviter de se prendre le sapin quand même. Ok. Pour finir, on va s'assurer que le quad garde le nez bien fixe quand on pousse ou qu'on coupe les gaz de manière très nette. C'est-à-dire que quand on va donner un coup de gaz et couper, le nez du quad, il va pas se balader comme ça. Donc là, bon, c'est très simple. Pour tester ça, on va simplement faire du pompage de gaz, en donnant des gros coups de gaz en coupant, et on voit si le nez se balade. Si on s'aperçoit qu'il se balade un peu trop, dans ce cas-là, on pourra monter la valeur de l'antigravity pour lutter contre ça. Et tant qu'on est dans les airs, on va vérifier si on y en a besoin d'un peu plus d'antigravity. Donc on va voir si le nez du quad il bouge. Ouais, franchement ça va. De temps en temps ça a un petit peu bougé, mais c'est moi qui mets un peu de roll sur mes. un peu d'eau sur mes coups de gaz. Oh c'est nickel. C'est nickel. Bon bah, on se pose et le tuning, il est fini, on a quelque chose de pas mal. On va pouvoir tester ça sur un petit vol freestyle, tranquille. Alors désolé, on a cru que c'était terminé, mais il reste encore une petite chose. J'avais une impression dans les lunettes qui s'est confirmée en regardant les enregistrements HD. Je me suis aperçu qu'après certaines figures, quand les gaz étaient coupés, le quad avait tendance à faire de tout petits remous comme ça. C'était visible parfois après des flips ou quand on réglait les I, quand on envoyait le quad et qu'on le laissait retomber. Ce que j'ai utilisé pour corriger ça, c'est le Dynamic Idle. Le Dynamic Idle, il permet de s'assurer une vitesse de rotation minimale des moteurs quand les gaz sont coupés. Et ça a pour effet d'augmenter l'autorité des PID, justement, quand il n'y a pas de gaz. Ça a complètement réglé le problème. J'en ai profité du coup pour rebaisser les I parce que je les avais augmentés au départ à cause de ça. Donc je suis revenu à 1.1. À mon avis, on pourrait revenir à 1.0. Je pense que ça irait très bien aussi. Pour récapituler, donc ce qu'on a fait, on a essayé de réduire les filtres au maximum, tout en restant dans des valeurs raisonnables. Ensuite, on a essayé de monter les dés au maximum, toujours pareil, sans surchauffe moteur, etc. Ensuite, on a cherché la balance entre les P et les dés, donc en essayant de monter les P au maximum sans avoir de rebond. Ensuite, si nécessaire, on a ajusté les I, et l'antigravity si jamais le nez du quad se baladait. Voilà.
Alors, il y a toujours moyen, bien sûr, d'améliorer un tune, de faire en sorte que le quad vole encore mieux. Mais là, on a vu quand même que rien qu'en utilisant le slider, en très peu de temps, on a pu obtenir quelque chose qui vole plutôt bien et qui correspondra à la plupart des utilisations. Et en réalité, c'est l'affaire de 2 ou 3 lipos, voire même moins, quand on commence à avoir l'habitude. Un autre point dont j'ai oublié de parler et qui est très important, c'est le slider mètre. Ce slider est très intéressant une fois qu'on a fini de régler son quad, donc on a trouvé l'équilibre entre les différents sliders, les P, les I, les D. Ce slider permet de pousser le tune plus fort ou même de le réduire, simplement en le tirant à gauche ou de le pousser donc en le poussant à droite, et d'avoir un tune un peu plus extrême tout en maintenant la cohérence entre tous les autres sliders. Pas besoin de retuner, si on veut juste un tune un peu plus fort, il suffit de pousser ce slider. Voilà, c'est très pratique. Maintenant qu'on est plutôt satisfait de notre tune, on va se faire un petit vol freestyle, tranquille, pour voir ce que ça donne. Nickel! On espère que ce tuto vous aidera à tuner vos machines sous Betaflight 4.3. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu sous la vidéo, à activer la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. D'ailleurs, on aura peut-être l'occasion de regarder un peu plus en détail une black box issue de ce quad avec ce tune. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt, c'était Jérôme pour WeAreFPV.